Bienvenue à tous. Nous allons maintenant débuter la cérémonie par l'appel, le last post.
Maintenant, j'ai invité un groupe de scouts de venir présenter, réciter leur texte. De tous les hommes tombés pour que nous puissions vivre libre aujourd'hui dans un monde apaisé. Qu'il me soit offert de vous lire ce texte, témoignage de notre infinie reconnaissance et de notre profonde affection pour vous, chers amis canadiens. Le 11 novembre pour la France est jour de victoire. Le 11 novembre pour nos amis canadiens est jour du souvenir. Celui de tous les hommes qui tombèrent durant ce 20e siècle de folie, pour la liberté du plus grand nombre et la démocratie de nos nations. Souvenir de victoire, donc. Mais que de souffrances et d'horreurs il aura fallu que vous consentiez pour que nous retrouvions paix et liberté sur la terre de France et partout dans ce monde insensé. Centaines de milliers d'hommes jetés dans des batailles d'une violence inouïe. Centaines de milliers de femmes apeurées jour et nuit. Millions de vies perdues à jamais. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, non pas pour glorifier la guerre et ses charges de folie meurtrière sous le feu et le fer, mais pour affirmer haut et fort que nous refusons d'oublier la douleur et la perte de tous ces êtres de l'autre côté de la mer et de l'océan. Des hommes jeunes, vigoureux, qui ne connurent jamais la joie de vivre leur vie d'homme et dorment à jamais dans tous nos cimetières européens, comme un rappel à l'ordre, un ultime avertissement de ce qu'il advient quand les États laissent la haine de l'autre grandir. Qu'il la cultive comme une plante vénéneuse déguisée en vertu, pour en faire une arme politique afin de dresser les peuples des nations les uns contre les autres. Nous refusons la violence d'un temps pour qui la vie d'un homme valait si peu. Mais nous affirmons ici même toute notre reconnaissance envers ces hommes qui subirent avec tant de courage les ordres insensés et les charges suicidaires. Honneur à tous ces hommes, à nos cousins de cœur ou par filiation, qui se battirent avec détermination et courage pour nous débarrasser d'un ennemi d'hier. Honneur à ce grand pays à la feuille d'érable, qui nous offre ses fils par deux fois en un siècle pour nous sauver et nous redonner la paix. Nous nous tenons devant vous, cousins d'outre-Atlantique, pour affirmer haut et fort que jamais nous n'oublierons, que toujours nous nous souviendrons et que vos sacrifices n'auront pas été vains. Nous nous y engageons aujourd'hui et demain. Nous nous souviendrons. Le tout suivi par le groupe de Scouts Canada qui va remettre le Coran. Oui. À gauche ici. Ok, ça va. Par la gauche, pas qu'à l'entrée, marche. Halte. Le tout, la dernière colonne, le tout suivi et non les moindres, nos fameux cadets de l'armée et un de leurs représentants. Le café à terre. Tout,
On arrête le feu. Monsieur le commandant, je vais savoir mettre la terre à l'arrivée.